Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek comme toujours. Allez, un produit Amazon par jour. Comme toujours, on leur demande pas de thunes, mais si c'est bien, bah c'est bien. C'est pas bien, bah on ira, c'est pas terrible. On dira c'est pas bien, on dira c'est de la merde. Bon, allez, aujourd'hui on a reçu un réveil radio et je me suis fait teaser, leaker, spoiler ou niquer, hein, comme tu voudras. En fait, moi j'étais resté sur le petit onglet Bluetooth là, tu vois. Je me suis dit, un réveil, Bluetooth, la musique, la radio, la température et tout. Bon, bah déjà, mauvaise surprise, Bluetooth, non. non, rien du tout. Bon, voilà le réveil, à quoi il ressemble. Il est comme ça, il est joli, sans plus, hein. En même temps, voilà. Tu vas pouvoir écouter la radio, ici, tu vas pouvoir changer un peu les stations. On avait trouvé une bien tout à l'heure, avec de la bonne musique thaïlandaise. Voilà. Dans la vallée de Dana. T'imagines? Bon, alors du coup, c'est un réveil radio. Alors, réveil radio, double alarme. Oui, parce que tu vas pouvoir régler deux alarmes en fait sur le dessus. L'alarme 1 et l'alarme 2. Je peux réenlever le film protecteur en même temps. Hein. Je veux dire, on est à la maison. Hein. Voilà. Bon, ça c'est plutôt pas mal. La météo, j'aime bien. Tu vois, chez moi, en Thaïlande, 24 septembre, il fait quand même 29,5 à 8h du soir. Et parce qu'on n'a pas allumé la clim, hein. Je veux dire, si on allume la clim, on pourrait descendre un peu. Bon, au niveau du réveil, plutôt classique, afficheur dimmable, 3,2 pouces, machin. Alors là où ça va être assez intéressant, c'est au niveau de la sortie. Alors, je vais vous faire voir directement. Alors, le dessus, t'auras vite fait le tour. Hein. Réglage de l'heure, allumé, alarme 1, alarme 2 et alarmé, bien évidemment. Alarmé, en deux mots, tu vois. La radio et réglage de l'heure. L'arrière par contre est plutôt sympathique. Alors dessous tu vas pouvoir mettre des piles. Voilà, 3 piles de 1, les petites là, les LR3 6, bah, les petites piles machin comme ça. Et si t'as pas de piles, et eh ben bonne nouvelle, tu vas pouvoir le brancher en micro USB. Ça c'est bien parce que je n'avais pas de piles. Donc c'était... par contre j'avais une batterie externe. Et là, comme il donne un câble dedans, c'était plutôt la bonne chose. Bon, du coup à l'arrière tu vas pouvoir régler le volume de la radio. Ce qui est totalement surréaliste. Hein. Toi. Donc toi, là, tu règles les stations. Voilà. Et là, tu règles le volume. Alors, je sais pas si tu vas entendre, mais c'est horrible. Bon, le son est... Il n'y a pas moyen. Voilà, regarde. Je te fais écouter. Eh, j'espère que c'est libre de droit, hein, que je vais pas me taper les frais YouTube, que YouTube va dire, oh non, vous avez mis de la musique, hop là, droit d'auteur dans ton cul. Hein. Voilà, je veux dire, celle-là, elle vient de loin. Hein. Bon, tu peux écouter la radio. Alors toi, je suis désolé, tu n'auras pas la radio thaïlandaise, tu devras te contenter de la radio française. Ce qui est bien dur. Ah oui, quand tu mets au minimum, il y a quand même un peu de son, hein. Et après tu montes. Voilà, bon, c'est horrible, mais tu peux régler les radios, t'auras compris. Tu tournes, ça change les radios. Voilà, c'est pas mal. Bon, à l'arrière, là c'est pas mal. Bon, alors le volume qui soit à l'arrière, il faut juste le savoir. Parce que du coup, je comprenais pas, j'arrêtais pas de tourner la molette, ça changeait les radios, c'est pas terrible. Bon, tu auras deux sorties USB pour recharger ton téléphone, tu vas pouvoir mettre un casque dessus. Waouh. Bah oui, bah je suis désolé, hein. Si jamais tu veux t'en servir comme radio portable. Ce qui peut être le cas, vu que tu peux mettre 3 piles dedans. Eh bien, tu pourras écouter avec ton casque jack. Bon, le réglage 12-24, et après, pour faire clignoter l'heure, la date, machin et tout. Bon, le truc bien, c'est vrai que c'est la radio. Non, le truc bien, c'est les prises USB. Alors, deux sorties USB. Alors, ils sont un peu... pareil, tu vois. Un petit peu des voleurs de chèvres, les mecs, tu vois. Donc, du coup, à l'arrière, il y a marqué USB, 1 ampère, 2 ampères. Non, ils ont enlevé ça. Non, parce que... Bah, du coup, en fait, l'ampérage va surtout dépendre de ce que tu rentres. Si tu rentres 1 ampère, tu sortiras pas 2 ampères. Et c'est pas avec tes 3 pauvres petites piles LR3 ou LR6 que tu vas arriver à charger en 2 ampères. Donc bon, voilà, ça pourra faire le tab. Tu mets 3 petites piles, tu pourras charger ton téléphone, ça pourra servir comme radio, oui. Tu pourras mettre directement sur la prise 220 ou sur une batterie externe. Tu veux l'emmener aux soirées de l'ambassadeur et te la péter avec ton joli réveil radio digital. Voilà. Donc du coup, est-ce que la promesse est tenue? Bah oui, apparemment, les sorties USB, c'est bien. Une sortie casque, c'est pas mal. Bon, bah voilà, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? CF, c'est quoi? Mais c'est quoi le CF?
Non, ouais, c'est ça. Ah, degré ou Fahrenheit. Ah, ouais. Là, je suis en quoi? Je suis en degré Celsius. Donc, je peux mettre degré Celsius ou Fahrenheit, 12 ou 24, sortie 1 ampère. Non, ça, on a dit ça, c'est fini, ça. Ça, c'était avant qu'ils aient un problème avec Amazon qui leur dit non. Donc, du coup, ils l'ont, mais maintenant, c'est USB 1, USB 2. Bon, bah, le réveil, auto-scan les radios. Auto-scan, pour l'instant, tu l'auto-scan à la main. Oui, tu scannes à la main, tu tournes, et quand tu as trouvé la bonne fréquence, tu t'arrêtes. Chargeur 2 ports USB, vous rechargez votre iPad, votre iPhone. Alors prends ton temps hein, pour le iPhone, parce que là, 1 ampère, enfin, ça dépendra de ton chargeur d'entrée. Si tu mets un chargeur de 0,5, ou si tu mets tes trois pauvres petites piles dedans, t'es parti pour l'aventure. Mais bon, ça peut dépanner, hein, on va pas être méchant comme ça. Le réveil grand affichage, donc bah oui, en même temps on nous en vend pas beaucoup plus. Bon allez, le vendeur vend ça pour la maudite somme de 30,54 €. Moi je trouve que ça pique un peu quand même, hein. Vous me direz en commentaire, est-ce que vous trouvez que, je sais pas, 15 € c'était bien? Y a pas. Ouais, remarque, c'est ce que ça vaut, 24, 20 trucs, dans les autres, 25. C'est cher, hein. Bon, après, c'est vendu par Amazon, donc du coup, c'est livré par Amazon. Tu peux avoir du free shipping, tu as la garantie Amazon. Si le truc il tombe en panne pendant l'année, eh ben, tu sais que Amazon ils vont quasiment te rembourser sans trop de soucis et que le vendeur l'aura dans l'os. Alors, concernant le manuel d'utilisation, c'est là où je me suis fait spoiler. C'est le logo là qui m'a mis dedans, là. Ce petit logo Bluetooth. Là, ça, regarde, un logo avec Bluetooth. Hein. Je suis désolé, moi. En fait, j'ai vu les QR codes et là, je me suis dit, ah, là, j'y ai cru. Là, je me suis dit, ça y est, en fait, il y a les QR codes. Y a... Non, c'est simplement, ça t'envoie sur des vidéos YouTube qui t'expliquent comment régler l'heure, régler la radio et régler l'alarme. Au cas où, toi, au cas où, t'as jamais eu de réveil radio, tu ne sais pas comment ça marche et que tu as envie de voir un peu. Bon, ils te font voir un tuto en t'expliquant que il faut appuyer sur 7, là, comme ça. Voilà, et qu'après, tu vas tourner. Et puis, bah, voilà, donc ça va fonctionner. J'ai réussi à le mettre à l'heure, il est 8h02 de PM de l'après-midi. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Après, est-ce que ça va changer ta vie? Je ne pense pas. Voilà. Allez, comme toujours, les 3R, cher, commentaire, pouce en l'air. Cher, tu peux partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je connais des gens qui cherchent un joli petit réveil radio avec la radio, une sortie 4, parce que c'est important. Mais je pense que le gros intérêt sur lequel j'ai complètement zappé, c'est les deux alarmes. C'est quand même bien d'avoir un réveil de merde, parce qu'on a tous un réveil de merde sur la table du salon qui mourra jamais. Je pense que j'ai un réveil, je l'avais quand j'étais bébé déjà, tu vois, et il mourra jamais, c'est incroyable, et ça fait bip 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 pour la radio. Donc, du coup, c'est vraiment le fait de pouvoir mettre deux alarmes, ça peut être pas mal, pour un pour monsieur, un pour madame. En plus, t'as vu quand t'appuies, le snooze il est là. Bon, je le fais pas super bien. Oh, ça change les lumières! Regarde, j'ai trouvé un truc, regarde. Regarde, là c'est mode nuit, pour pas que ça t'en mette plein les yeux. Là, mode moyen, là, mode grand. Oh, génial! Ah oui, c'est bien! Bah oui, quand la nuit, tu vois, ça te pique les yeux là. Le réveil, il est allumé et tu mets une chaussette dessus. Ou tu jettes un coussin parce que ça n'arrête pas de t'éclairer et tu vois que ça. Et ben là, sache que regarde, grâce aux magies d'Amazon, tac, tu peux le mettre en monochrome. Trop génial! Putain, en fait, c'est vachement bien. Tout compte fait, tu vois, t'es parti pour dire du mal. Et tout compte fait, avec son petit éclairage qui s'affiche, qui change, ses deux alarmes et ses deux prises USB qui peuvent recharger un iPad et un iPhone en même temps. Bon, il faut 4 jours, mais ça peut, tu vois. Par exemple, eh ben, pour 30 euros, c'est bien livré par Amazon. Allez, si tu aimes la vidéo, tu mets un pouce en l'air. Tu n'aimes pas la vidéo, tu mets un pouce en bas, bien évidemment. Tu partages sur les réseaux sociaux si l'envie t'en dit. Tu mets un commentaire pour dire ce que tu penses de ce réveil. Il se trouve que c'est quand même une super bonne découverte. Et que pour toi, tu te dis que, ouais, avec les deux alarmes, alors là, tu es parti pour la fête. Et en même temps, tu vois la température qui fait. Ouh, il fait un peu froid ce matin. Je vais mettre la deuxième alarme plutôt. C'est celle qui met 1 heure après, celle qui te met bien en retard, tu vois, par exemple. Allez, comme toujours, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre produit encore dingo, parce qu'on en a apparemment pour la semaine, hein, comme on est parti. Paix et prospérité, bonne journée, à demain, sinon à ce soir, en live à 16h. Bye bye.